Welcome, everyone, to this French Christmas series. We will talk about Christmas miracles, Christmas tales, Christmas traditions from around the world, New Year's Eve traditions, uh, facts, fun facts, anything Christmas related, you name it, we'll talk about it. The goal here is to practice listening with an intermediate level listening, I would say upper intermediate so if you're not quite there yet in terms of your understanding of spoken french you can activate the subtitles or you can look up the transcription in the description and you will also find a list of vocabulary that i thought would be interesting for you and useful in like different contexts do not forget to subscribe and like this episode if you enjoy this format because that way i'll know that i need to make more for you um, c'est parti aujourd'hui Je vais vous raconter l'histoire de la Befana. Dans un coin d'Italie, il y avait cette vieille dame, la Befana. Une vraie maniaque du ménage, toujours à courir après son balai. Tout le monde dans le village la connaissait pour ça. Elle passait son temps à briquer, balayer et à râler après les pigeons qui lui salissaient son paillasson un soir, pile en plein hiver, qui débarque chez elle trois rois mages complètement paumés qui cherchaient l'étoile de Bethléem. La Fana, elle, était plus préoccupée par la poussière sur ses étagères que par ces types en robe de roi. Elle a failli les envoyer balader, mais bon, elle s'est dit pourquoi pas. Après tout, ça pourrait être marrant. Alors, une fois sa baraque, nickel. Elle a pris son balai et un sac plein de bonbons et hop, à l'aventure. En chemin, elle croise ce chat farceur qui lui propose de l'aider contre quelques friandises. Le chat, cependant, la mena dans toutes les mauvaises directions pour la faire tourner en bourrique. Imaginez un peu la Béfana volant sur son balai au-dessus de rivières déchaînées, grimpant des montagnes enneigées, sans jamais perdre. Ni son chapeau, ni son sourire. Et partout où elle passait, elle distribuait des bonbons aux gosses, laissant derrière elle une ribambelle de sourire. Mais bon, les rois mages, nulle trace. Après s'être retournée dans tous les sens, la béfana se dit qu'elle va continuer à faire plaisir aux mômes en espérant tomber un jour sur ce fameux chemin vers l'étoile. Du coup, chaque année, pour l'épiphanie, elle fait sa tournée. Offrant des bonbons aux enfants sages et un peu de charbon aux petits chenapans. Et à chaque fois, au fond d'elle, elle espère croiser la route des rois mages. Elle n'a jamais perdu sa bonne humeur ni sa méfiance envers les chats expliègles. Ça, non. Et voilà, c'est comme ça que la Befana est devenue une légende, apportant un peu de magie et beaucoup de rire dans les maisons italiennes.